Stop, je t'arrête là. Depuis que tu scrolles Internet, je t'ai pas fatigué. Je t'arrête bien. On va parler de comment chercher l'argent. Plus sérieusement, on va parler de comment trouver des produits gagnants, des produits qui se vendent à coup sûr. Que tu le veuilles ou pas, tu auras l'argent. Le cap, l'argent va entrer dans ta poche, que tu le veuilles ou pas. Avec ces stratégies que je vais te montrer là. Pour trouver des produits gagnants. Ok, tu sais pas dans quoi te lancer. Tu veux te lancer, tu as envie de vendre quelque chose sur Internet. Tu sais pas quoi faire. Les gens te disent c'est ça qui marche, ça ne marche pas, etc. Ne te fie pas à ce que les gens disent. Fie-toi à ce qui marche. Et je te donne la stratégie qui marche absolument. D'accord? Ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que tu vas aller sur le site wish.com. Wish.com. Wish qui signifie souhait, tout simplement. Dans ce site-là, tu vas trouver tous les souhaits que les personnes ont en fait, ce qu'ils veulent, ce que les gens recherchent, ce que les gens ont, ce dont les gens ont envie, ce que les gens demandent, ce dont les gens sont à la recherche, ce que les gens commandent sur Internet le plus souvent dans cette période-ci, la période dans laquelle tu te trouves. Tu vas voir tous ces produits, il y a énormément de produits sur le site. Et quand tu vas trouver le produit qui te plaît, le produit attirant, je te prie de ne pas aller sur les produits qui sont trop attirants, genre ce que tout le monde connaît. Va plutôt vers ce que beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais qui sont plutôt mignons, plutôt attirants, à effet wow, à effet différent, qui résout, des produits qui vont venir résoudre un besoin ou apporter une solution, quelque chose comme ça, ou des produits mignons à effet wow. Quand tu vas trouver ton produit, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu prends le nom de ce produit, tu vas sur AliExpress, tu vas chercher le même produit, tu vas trouver plein de fournisseurs sur AliExpress et là-bas, tu vas regarder les avis laissés par les clients. Dans les avis, tu vas voir les photos réelles du produit, tu vas voir si le produit est vraiment intéressant de manière réelle, pas avec les images prises par les fournisseurs chinois, mais les images prises par les clients eux-mêmes. Tu vas voir si les produits sont intéressants, les avis positifs que les gens auront laissés, ça va aussi t'aider pour faire ta publicité sur Internet. Maintenant, quand tu vas vouloir vendre, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que quand tu vas positionner le produit, ne prends pas ce que tout le monde a déjà. Cherche à travailler avec un fournisseur qui peut te proposer quelque chose d'un peu différent, quelque chose qui a une particularité que les autres n'auront pas, que ton concurrent n'aura pas, pour que toi tu puisses alors te positionner différemment et mettre le prix que tu veux, gagner l'argent que tu veux avec ce produit-là. Donc ça, c'était l'astuce du jour pour trouver un produit qui se vend à coup sûr et qui marche à coup sûr. Alors, c'est le mois, c'est la période du quadrimestriel, donc les derniers 4 mois de l'année qui sont en train d'approcher. Je cherche 10 personnes, 10 gagnants, 10 violents qui veulent gagner de l'argent dans cette période. C'est la meilleure période pour gagner de l'argent. Donc, si tu es intéressé, juste un commentaire.